Bonjour YouTube, c'est Bob le Caribou, on se retrouve pour le 9e épisode de Dark Souls avec plein mal de zones découvertes. D'une. Et de deux. De deux, c'est la vie. Twitch. On va relancer le retour. J'espère que j'ai pas de délai dans ma voix, sinon je serais très triste et vous allez passer les 3 prochains épisodes avec du dé. Mais dans la théorie, ça devrait marcher. C'est vrai que j'ai eu énormément de problèmes. Une petite mort, rien de bien méchant. On a découvert un nouvel accès, un nouveau personnage, tout ça, ça fait plaisir. On en a plein d'autres, hein. J'espère qu'on aura suffisamment de branches qui équivaut au personnage au statut. Nice. J'ai envie de m'occuper des deux du bas. Bon, les triple shots maintenant. Tu m'expliques? Sachant qu'il y en a encore là-haut. La prochaine fois que tu me combos comme ça, je te nique ta mère. On va fuir par... Ok, ouais, c'était calculé. C'est fait exprès. C'est fait exprès, mais on gère. Ok. Et bah ben voilà. Ah, y en a rien. Y a eux, putain. Les mecs, ils sont bien casse-couilles. Présents dans tous les Dark Souls en plus. Une pierre de saignement, ça fait plaisir. Je sais pas ce que ça fait du tout, mais ça fait plaisir. Et un petit feu juste ici. Et ben, ça fait encore plus plaisir. Et un coffre. Ok. Et eh ben c'est good, on va se poser. On va reset cette page. Ça commence à bloquer. Fragment de fiole d'estus si on passe en 4. Comme quoi c'était utile. Ça fait éclairer. Monsieur. Il n'y avait rien dans votre cellule. Désolé, monsieur. Monsieur. C'est un ennemi, mon allié, c'est quoi? T'es quoi? T'es un nain. Nous, on est nains. Nous manions notre hache. Régolas, que voient tes yeux d'elfe? Ouais, on passe comme ça ou pas? Ah oui, on passe. Que d'un côté. Alors on passe, oui, non, mais que d'un côté, enculé. Ok. Nous les nains. Ah non, c'est pas un nain. Mais ça se OS maintenant. Bah oui, mais mange tes morts. Cordialement. Attends, je suis pas encore sort. Allez, ça dégage. Et il n'y avait rien d'autre dans cette cellule. Ça nous fait 2000 âmes dans la popoche. Les sous-sous dans la popoche. Et on continue sur une nouvelle zone. Zone, ma foi, qui a l'air bien grande. Force le combat. Une petite âme vacillante, ça fait plaisir. Ouh. Non, j'ai cru qu'il y avait des trucs, mais non, ça va juste être un petit chemin. J'ai cru en entendre derrière. Ouais, il y en a là. C'était sûr.
C'est toujours piégeux ce genre d'endroit. Là, vous jetez des cailloux, vous? Bah ouais, mais ça dégage. Comme quand on découvre une nouvelle zone et ça fait plaisir. Et des items. Allez, un fragment d'os de mort-vivant. Non, pierre de saut de pharaon. Utile. Je sais plus à quoi, mais c'est hyper utile. Ah oui, c'est pour les machins. Trouver une case dans un mur et l'activer. Ouais, bah, je pensais que je t'avais fini, toi. Alors. Âme de noble chevalier et une effigie humaine. Plaisir, hein? Plaisir est à son comble. Nouveau feu. Par un moment, là. On veut dire, on avance peut-être un peu trop. Et un truc par là, un truc par là, un truc tout droit. J'ai envie de prendre le truc à gauche. Le truc à gauche, c'est un monsieur. C'est deux monsieur. Bon, qui ont leur vie, je dis pas. On va avoir une petite potion. Ok, c'est good. On a quasiment dominé à un moment. Ah mais c'est que ça sur le chemin. Allez, ça dégage. Oh, tu m'as fait peur, toi. Ok. Ok. Petit coup de pointe. Ouais, c'est que ça sur le chemin. Faut regarder. Ah ouais, voilà. Faut regarder si on n'a pas caché. Ok, viens, 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 viens. Ça dégage. En plus, ça donne quand même pas mal d'âme. Sûrement un truc. Un accès. Une grande âme de chamanette et deux titanites scintillantes. Oh putain, mais là on se fait plaise, les gars. On se fait tant plaise. On est bien. J'ai envie de me pupper. Toi, c'est sûr, t'es pas tout seul. Ok, y a pas moyen de l'aggro. On va se casser d'ici. Claquer une petite chaîne de vie. Le truc c'est qu'il n'y a pas moyen de l'aggro vu que c'est une aupe. Il a masse vie. Une épée longue. Ouais bah c'était sûr à un moment qu'il fallait crever. Bon, voire partir par là, on va se le faire, hein, c'est pas un problème. Âmes, je dis pas non. Donc c'était à gauche. Putain, on a tellement de nouvel endroit. C'est fou, c'est fou. Bon, une fiole d'astuce pour ça. Maintenant. Le big fail de ma part. Faut prendre une gemme de vie.
Allez, viens. Allez, viens, 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 viens. Ça, c'est pas compliqué de se les faire, ceux-là, hein. Ils sont deux ici, ok. C'est bien ce que je me dis. Oh, comment il a anticipé? Ok. Ok, c'est good. Plus de 160 âmes. Y a des trucs, hein. Je dis pas, il faudrait que je me fasse ce machin. J'aimerais bien pouvoir tuer celui qui est en haut d'abord. C'est bon, il est descendu. J'ai envie qu'il vienne. Il bougera pas. Voilà, il est là. On va fuir. Le truc, c'est qu'on peut pas l'aggro. Voilà, on peut pas l'aggro. J'aime bien quand il m'a envie d'aller chercher l'item. Donc voilà, c'est un item, c'est quoi? Machin, le tueur de boue. Et on se tire. Il vient s'il veut. Envie de me rapprocher de là au pire. Comme ça je me le fais de là. Et comme ça si on crève on a nos 5000 âmes. En fait, ce truc, c'est qu'on peut pas l'aggro, c'est ça qui est chiant. Allez, viens, 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 viens. Voilà. En fait, c'est trop facile ce jeu. Alors, c'est quoi les machins? Excusez-moi. Hache de tueur de dragon. Dégâts de foudre, un petit peu plus de dégâts normal. Et bouclier tueur de dragon, ça a l'air d'être pas mal. Bouclier de faucon doré. Bon, on va garder notre machin. On va s'asseoir. Et puis, on continue. Du coup, on va partir, voilà, donc, tout droit. Allez, va pour partir tout droit. C'est quoi ce machin? Le tuyau? J'ai pas trop envie de m'aventurer pour crever à l'instant. Bonjour. Mais c'est un des gros. Voilà, on lui fait pas de définition de pas faire de dégâts. Ça c'est fou ça. On partira vers la droite. Bon là, vu le peu de dégâts qu'on lui fait, ça va être pour plus tard. Tout simplement. En plus on a des immunités, on a des trucs, des fragments. Tout est beau. Ah, on va récupérer nos similaires mais partir du coup à gauche.
par ici. Ok, nous sur une zone assez sombre. Assez chiante. On va suivre les arbres, mais c'est vrai qu'on peut se balader par là aussi, hein. Par ici, c'est du mur. Ah, ok, il est invisible ta race. Ah, mais c'est encore des machins invisibles là. Il est là. Je le vois. Chiant, toi. Aussi, si que ça sur tout chemin, niquez-vous. Cordialement. Je suis perdu. Me suis full perdu, j'ai envie de retourner à la base, j'ai 6000 âmes. Par là. Puis par là. Je sais pas comment j'ai fait pour retrouver mon chemin, moi. Ok, ça nous fait plein de nouvelles zones, mais pour l'instant, j'ai peut-être envie de repartir. J'en sais rien. Envie de repartir, j'en sais rien du tout. Je vais plutôt pouvoir vendre aussi. Vendre des armes et tout. Ils vont pas de grand fragment, on peut pas, on peut rien renforcer ici encore, faut du grand fragment. Non. On peut améliorer de l'équipement, mais je sais pas si et acheter, y a pas grand chose. Non, pas grand chose. Ça nous fait deux niveaux. Je suis endurance, comme ça on passe la barre des 100. Il y a plus de niveau. Et où est-ce qu'on pourrait aller? Vous voulez qu'on continue vers la tour des flammes? Ouais. Bon, on va continuer vers la tour des flammes. En tout cas, voilà. Ça nous fait encore des nouvelles zones à découvrir. On a avancé sur celle-ci. On a une bonne épée, des bons trucs. Et les cocherons sont bien gardés. Mais non, pourquoi on n'a pas pris l'eau de feu? Là. Non, là. Je m'en ai roué de hate. De cassis. De cassis, viewer de cassis, viewer de viewer. Voilà, on s'est enregistré là, et c'était par là. La désolation. Ah bon, c'est du pégu. J'ai envie de te dire. Ça passe. Ah, il y a du chien, il y a du chien, il y a du chien qui donne du saignement, mais qui se fait double shot. Ça passe. Il y a mis une seule flèche là. J'aime bien ce coup. On va monter et on découvre une nouvelle zone pour cet épisode 2. Nous les orques. De toute façon, ce que j'ai compris, il n'y a pas de coffre piégé. Fragment de titanite, tu peux me filer un grand. Able de noble chevalier. Ok. Hop, petite esquive.
Et c'est good. Voilà, oui, mais non, mais les débilités, elles sont pas à l'oxysme. Une gemme de vie. Ok. Ouais, là on les triple shot et là on les double shot. On avance. Pot de fantasin carcasse. Résine de pain ténébreux, ça peut servir ça. Les résines de pain, ça sert. Que sur des armes, voilà, mais bon. Ça sert quand même. Par ici. Nouvel ennemi. Ennemi qui est encore. Avec la torche, bon, faut trouver un feu, mais il y a moyen. Alors là-haut, on a des escaliers, mais j'aimerais bien finir cette zone du bas qui va jusqu'à loin quand même. Ouais, au pire, on peut. Ouais, on va finir cette zone du bas. Je ne vois pas d'autre passage pour cette zone du bas. Donc on va monter là-haut. J'ai trop envie d'aller aux toilettes. C'est des ouf, c'est des ouf. Ok. Ok. J'ai pris de la confiance hein, depuis qu'on n'a pas fait l'autre boss. Le boss sur le toit là, qui est peut-être pas de notre niveau, qui sait? Non. Bonjour toi. Eh bien, parlez. Ok, elle répète son texte. Je me suis dit, elle fait pas une petite boutique. Du monde. Ok, par ici. Petit toit de bâtiment où il y a un gars qui se cache avec des flèches. Bâtiment vide. J'ai envie de me faire repérer par le chien. Comme ça on l'attaque directement. Voilà. Parfait. Ok. Ici c'est comblé. Oula, le raisonnement. Et on continue. Ouais, je me prends des sales flèches. Normal. Armure de Varric et des détritus. Ok. Oh, il y a du monde. Des flèches en fer. On va claquer une gemme de vie. Ah, fallait crever, fallait crever, fallait crever. Bonjour, on se retrouve au prochain épisode.